Défaite 3-1 ce soir. Finalement, l'impression qu'on a eue, c'est que ça a vraiment ressemblé à votre défaite il y a deux semaines et quelques contre cette même équipe de Bâle. Vous n'avez pas réussi à trouver la solution. Ouais, c'est ça. Il nous manque cette petite étincelle. Je pense qu'on ne met pas assez de puck au goal. C'est vraiment la base pour essayer d'aller créer des occasions parce qu'on tourne autour, mais ils sont très compacts. C'est une défense très solide et très organisée. Donc je pense qu'il fallait qu'on mette plus de puck au net histoire de trouver plus de rebonds et mettre des buts un peu poubelles. De manière globale, on a l'impression que Sierre, cette année, n'arrive pas à enchaîner des bonnes prestations, des prestations un peu plus décevantes par la suite. Comment tu expliques un petit peu cette irrégularité entre les matchs? C'est pas facile à dire parce que on arrive à chaque match avec la même envie, la même intensité. C'est juste que bah, y a des fois où l'exécution n'est juste pas là. Il y a des soirs où c'est avec, des soirs c'est sans. Et bah, on essaie de limiter un maximum les soirs où il n'y a pas l'exécution. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal. Mais moi je pense qu'après, avec plus la saison l'avance, plus on va réussir à revenir en force pour les playoffs parce que c'est là que ça va grand compter. C'est vrai que l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est que tous les matchs vous sortez fort, vous travaillez fort. Et à chaque fois, en fait, ça se joue sur des détails, ça se joue sur peu. Et un match comme ce soir, les détails ont tourné du côté de Bâle. Ouais, c'est clair. Je pense que le score, il reflète pas vraiment le match. Parce que c'était vraiment. Je pense que même si c'était pas un match avec beaucoup de buts, on avait quand même le puck la plupart du temps. C'était un match. Pas défensif, mais où il manquait beaucoup de grosses occasions. Les occasions de loin, elles sont faciles pour les gardiens. Et puis. Après. Je pense qu'il faudra juste qu'on continue à mettre l'intensité au max, à jouer physique, à en faire les petits détails, les trucs un peu chiants à faire, et puis ça finira par rentrer à un moment. Merci beaucoup Benjamin, et à jeudi.